Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeux de société. Alors, c'est l'épisode complet de notre partie de Starship Captain. Alors, comme vous avez pu voir, ça va être un épisode de 4 heures. Et il est réveillé. Oui, 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 j'ai mon café. Oui, même café. J'ai mon cerveau. Ça, c'est pas celui-là. Non, non, j'ai mon cerveau aujourd'hui. Non, parce que tu vas perdre. Ouais, non, je devrais pas boire aujourd'hui. J'ai pas dépensé d'énergie à me laver, donc voilà. Alors, on vous a montré la mise en place dans l'épisode 0. Stéphane, c'est toi qui as la chance de commencer. Alors, vas-y, on te regarde. En passant, j'ai oublié de dire que si tu vas dans la station qui est là, ben tu ramasses le bonus qui est dessus. Un artefact, puis je me... Et c'est là qu'on place pour la prochaine... pour la prochaine... Parce que c'est juste le premier qui va sur la station qui ramasse le bonus. OK. D'accord. D'accord. Ouais. Ouais, t'as le temps, hein? On est... OK. Donc, je vais prendre lui. C'est une action OK, à la là, fois, faut que je tape. Hein? Faut que tu tapes. Ça a activé. Non. C'est quoi t'as fait? J'ai réparé. Tu répares? Non, mais wouss. Là, c'est toi, je suppose. C'est un action, 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 action. Oui, action, 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 oui, 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 oui. Ça me manque de musique. Bah là. Mais moi, je m'en fais dans ma tête. Mets-toi en une dans ta tête, puis ça va être correct, ça. Yeah. Ouais, j'en ai une dans ma tête. T'en as une dans ta tête? Sauf que si je le fais, c'est sûr et certain que ça sera pas monnayable. Ça sera pas... bon mayable? C'est très, très fun, c'est tout ce que tu dis présentement. Non, 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 mais tu sais, il y a une musique thème d'une émission de TV américaine de science-fiction qu'on aime beaucoup. OK, ben moi, regarde, je vais faire tap, je vais bouger. Je vais faire... Non, ça, c'est moi. Excuse, je vais faire un, deux, et je vais aller sur la mission qui est là. C'est tout? C'est tout. C'est complètement ridicule. Mais c'est ça, mais c'est qu'est-ce que je te dis, c'est ça, mais c'est ça que je fais. On va faire tap. Stéphane réfléchissait. Puis quand il riche les fils, ça va pas bien. C'est juste un dégât qu'on enlève quand on fait notre mission. Je pense que oui. Prepare one. Je vais aller là. Ah ouais. Là, je m'en vais sur la mission. C'est ouais, parce que tu la réserves, il faut vraiment aller sur la mission. Je pourrais pas aller la prendre. Moi, je vais aller accomplir la mission qui est là. Donc, Sentient Slime. Alors, je vais mettre un cadet jaune et bleu, ce qui fait en sorte que je vais aller me rendre. Un enseigne. Faut que j'aille me chercher deux dégâts. Tu peux-tu me donner deux dégâts? Malheureusement, le Sentient Slime détruit une partie de mon vaisseau. Donc ça va ça va pas bien. Mais je m'avance 4 et je pense que c'est sur n'importe quel. Et là, choose a faction and advance up to 2. OK, donc c'est 4 espaces, mais dans une seule faction. Mais je peux choisir la faction que je veux. Et aussitôt qu'on ramasse, qu'on passe un espace comme là, mettons, je vais prendre celle-là ici. Alors, je vais faire 1, 2, 3, 4. Alors, je me ramasse une médaille. OK, ils sont là-bas. Que je ramasse ici. Et c'est à moi. C'est à toi. Mais ceux-là, ils s'en vont pas à la suite. Ah oui, attention, ceux-là, je l'enlève, puis je les remets, je la mets en théorie en dessous. Là. OK. Ah oui, il y a d'autres qui font... c'est vraiment du haut vers le bas, en passant. Pouf, comme ça. Moi, je vais faire la mission. Ah, attends, on a oublié quelque chose de bien important. Il faut que je prenne le plus haut chiffre. Je fais ça ici. Ah, puis on sort une nouvelle mission. On sort une nouvelle mission, qui est un Ticken Librarian. Donc, je vais faire la mission ici. Ah, pas ça, excuse, j'aimerais ça avoir un artefact. Je vais choisir. Parce que toi, tu vas mal choisir. Fait que... Bon. Fait que, peux-tu, là? Un petit peu, oui. Donc, je fais la mission avec William T. Quelque chose dessus. Je ne dirai pas au complet, on va se faire poursuivre. Donc. Mais là, tu peux le dire, là. On ne sera pas poursuivre pour ça, là. Je vais faire ça.
Donc, je gagne pas le premier, mais je gagne le deuxième. J'avance de 2 sur n'importe quel track. You may advance one space on the corresponding track. OK, non, c'est pas n'importe lequel, c'est sur la noire. Donc, j'avance de 2 ici. 1, 2. Donc, je me répare de 1. J'ai un vaisseau moins de marde, comme tu disais tantôt. Je me fais 4 points, on s'entend. Voilà. Et là, je prends le plus haut. Je le mets là. Puis je prends une mission. Je la mets là. Oublie pas de la tourner de bord, le numéro 4, parce que pour dire qu'on l'a fait. Celui-là, parce que quand on va arriver à 1, il va se passer quelque chose. Les pirates vont exploser. Il va y avoir un raid de pirates. J'ai oublié de le dire, ça. Dans... Oh. Alors, ça, c'est bien. Donc, ça, là, tu... Ouais. Donc, là, moi, je vais payer une médaille pour transformer mon cadet. Et je pense que mon cadet va devenir... Mais moi, je peux pas le transformer quand il est dans... Non. C'est ça. Non. Ben, écoute, tu me dis ça. Ben, attends un peu, je vais vérifier pendant que tu fais ton affaire. Non, je pense que c'est pas écrit là-dessus. Attends un peu, ben, je vais te dire. C'est écrit dessus. Spend to change the color of a cadet or an ensign, mais c'est pas écrit où il faut qu'il soit. Ah, non, c'est écrit. Only figures in your ready room can be trained or promoted. OK, fait que non, tu peux pas. Mais là, il me reste qu'il faut que je choisisse ma couleur, puis je pense que je vais choisir... Je vais choisir la bleue. La bleue. Et je vais aller... je vais taper ici pour aller tout simplement enlever un dégât sur mon... Ton vaisseau, c'est... comment il s'appelle? Il s'appelle le USS Penterprise. Oh! Penterprise. Hey, moi, c'est... C'est le... Le USS Titus. Oh, c'est bon. C'est très bien. C'est à toi à jouer. Ah, c'est à moi, mais je passe. Non, moi aussi, je passe. Donc là, on arrive à la fin de notre ronde. Comme tu peux voir, ça va vite, hein? Comment tu fais pour savoir le nombre de rondes? Ben, il y en a 4, c'est écrit en haut. Où ça? Là, 2, 3, 4. C'est des affaires qui vont se passer, là. Boy. Hein, il est là, il est réveillé, mesdames et messieurs. OK, alors, passing. During the round, figures will gradually... OK, c'est ça. Hein? OK, c'est ça. Donc là, tu vas slider toutes tes figurines jusqu'à temps qu'il y en ait 3 qui restent dans la queue. Des espaces gris. C'est ça. Donc, en théorie, tu devrais en avoir 4. Ben non. Non, mais jusqu'à temps qu'il y en ait 3 Qui restent. Ouais, c'est ça. Ah, OK. Voilà. Là, après ça, ce qu'on fait, c'est que... donc là, tu vas prendre tous les avantages. Ça, là, tout ça? Oui. Ouais. Tu vas... Ouais. Manger? Non, tu vas... Bon, on va en donner un à chacun. OK. Puis, tu vas mettre le mauve. Ouais. Tu vas le mettre sur la home station qui est juste là. Et ça veut dire que si on va là, on va avoir cet avantage-là. Puis le premier joueur tasse de personne. Donc, c'est moi qui va devenir premier joueur. Alors, merci pour le jeton premier joueur. Tu ne le gardes pas jusqu'à la fin de la partie. Tu pensais que tu le gardais jusqu'à la fin de la partie, mais ce n'est pas le cas. C'est dommage. Donc là, c'est à moi. Et je pense que je vais en profiter pour... Je pense que je vais... J'ai vraiment envie de faire ça. Je pense que je vais bouger. Toup! Hey, faut que tu frappes assez fort pour qu'on t'entende. Je vais aller ici. C'est tout. OK. Je pense que c'est un filler qui prend trop de temps à mettre en place. Moi, je vais promouvoir lui. Oh, ça. C'est beau. Mais pour me voir, ça, c'est avant ton action. Donc, tu peux faire... Ah, je peux faire une action après. Tu peux faire ton action, oui. Bon, mais je vais bouger. Attends un peu. Tu peux bouger! Ça, c'était ton ordinateur qui parlait, parce que t'es un homme. OK. Moi, c'est un homme, toi. Tu peux bouger! Oh. Moi, toi, c'est... C'est un bizarre. Ça doit être un extraterrestre. Es-tu en train de faire une chanson de Noël? Un, oui. 2. Toi.
Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire, ça? Égal X. Ah, ben, c'est que, mettons que tu as un chiffre, mais sur un mot, un NAS, tu peux le faire n'importe où, comme les blancs. Ah, OK. OK, je comprends. Donc, si j'ai un mauve, je peux le faire ailleurs. Ah, si ailleurs, si tu veux. Ah, OK. Ah, merci. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part de me dire tout ça. Je vais faire la mission qui est là, qui est le Thinking Library. Alors, de ce que je comprends, il n'y a pas de couleur, là. Ah, ça doit être un Android, ça. Ouais, c'est un Android. C'est une couleur d'Android. Ouais. Bon, il n'y aura pas de couleur d'Android. Ah, mais là, ça me fait chieter, ça, par exemple. Ah! T'avais juste à regarder avant. Non, c'est pas grave, c'est que je vais faire pareil. Donc, là, puis là, je peux, je vous rappelle, mettre un autre personnage. Je vais mettre le jaune qui est là. Et donc, je peux avancer de 3. Ah non. Hey, wow, là. Hey, là, j'ai mal regardé mon affaire. Tu devrais me permettre de rejouer mon coup d'avant. Non. Colin, c'est parce que c'était pour ça que je le faisais, mais en tout cas. Bref. Je vais avancer de 3 sur la piste orange. Donc, ce qui va me donner une autre médaille, je pense. Oui. Donc, je suis rendu avec 3 médailles. Puis c'est tout. Donc, okay. Puis là, attends. Tu vas trop vite. Donc, le 3, on le tourne là. Et ça, maintenant, c'est rendu une autre mission. Restore the Hive Mine. Oh. Oh. OK. Je pourrais me redéplacer puis aller le faire. Ah non, je pourrais même pas le faire. Ben, je vais faire la mission qui est ici. Ben oui, hein. Mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que t'enlèves un... Pirate de mon vaisseau? Pirate de ton vaisseau. Ah, c'est... Fait que tu peux pas le faire. C'est con. Bon, je peux-tu rejouer mon tour d'avant? Non, tu m'as dit non tantôt. Tu m'as dit non. Tu m'as dit, mange un char. Non, vas-y. Je t'ai pas dit mange un char. Tu m'as dit, mange un minou. Minou. Alors, c'est... Comment tu peux avoir plus de crew members? Il y a des missions qui vont t'en donner. Là, on n'en a pas sur le plateau, là, présentement. Mais... Je pense. Ah, j'ai mal joué. Mais moi aussi, fait qu'on va être égal. Bon, je vais faire la mission pareil. Donc, un rouge ici, un bleu là. Celle-là, je peux pas le faire. Là, je peux bouger de 1. Je vais aller à la station ici. Et donc, en allant à la station là, je ramasse ça, c'est ça? Bon, mais là, attends, c'est quoi ta mission, là? Parce que je voudrais quand même pas mettre t'induire en erreur, là. Comment s'appelle ta mission? Prototype Shuttlecraft. Prototype Shuttlecraft. Parce que je vois pas d'une part où c'est écrit. Sais-tu, faut que t'en enlèves un du plateau ou. Parce que je vois aucun des symboles ici. C'est toujours le fun quand un jeu. Ben, à mon avis, c'est qu'il faut que tu aies un dans tes affaires ici, puis là, tu l'enlèves. Mais c'est quoi la mission? C'est Prototype Shuttlecraft, celle-là. Donc, faut que tu aies... Ouais, OK, c'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, regarde. Je rêve de la réussir. Je me suis déplacé là à cause du rouge que là. Ouais. OK. Donc, ça monte. Là, je ramasse ça. Je me fais... De ça, il faut que je le mette là, c'est ça? Ouais. Parce okay. qu'il va faire ça. Plus une réparation. Boop. Puis ça, je le mets où? Tu le mets sur ton vaisseau. Là? Ben oui. Ah ben. Ça prend une place.
C'est extraordinaire. Puis là, ici, il faut que je prenne le plus haut, qui est le 2. Je vais mettre une nouvelle mission. On paye ça, cette mécanique-là de... Save a planet. Oh, 7 points. Mm. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point... OK, fait que là... ouais. moi, je vais... Non, je ne ferai pas ça tout de suite. Je pense que j'ai l'intention de faire une réparation. Alors, je vais... Alors, je vais réparer encore mon vaisseau. Comment tu as réussi à réparer tes 3 dommages? Hey, toi, regarde, retourne en arrière dans la vidéo, là, tu vas voir que j'ai raison. OK? Moi, je pense qu'il y a de la tricherie ici. Pas en tout. C'est à moi? Ben, je tire sur le pirate. Tu te fais un dégât? Comment ça, je me fais un dégât? Quand on tire sur un pirate, on se fait toujours un dégât. Ben là, c'est con. Que t'es obligé de placer ton vaisseau. Là, je fais ça. Ouais. Puis là, je gagne un android. C'est ouais, ça? C'est ça. Je le mets là. Tu gagnes un android. Je le mets dans mon ready room. Dans ton ready room. OK. De toute façon, il peut pas aller là. Ouais, c'est ça. Moi, je vais passer. Donc, quand on passe... On dirait des C3PO. C'est un mélange. Hein. Ouais, c'est un mélange bizarre. Donc, j'ai passé. Ben, moi, je vais passer aussi. Parce que je peux rien faire d'autre. Alors, vas-y. Fait que tasse tes bonhommes pour en avoir 3. OK. Donc là, ce qu'on doit faire, ouais, c'est que... Ouais, voilà, c'est ça les autres bonhommes qu'on a. Donc, on va se ramasser un bonhomme chacun. OK. Là, en théorie, il faudrait placer la patente sur la station, mais parce que t'es dessus, on la place pas. Fait que là, faut que tu la mettes sur l'autre d'après. Et voilà. C'est comme ça que ça marche. Et je te passe... Okay. Là, tu sais que la partie est quasiment finie. c'est ça qui est magique avec ce jeu-là. C'est comme un trop gros jeu qui aurait eu besoin d'avoir 5 rounds, je pense. Ouais. Et pas 4. Ouais, bon. Effectivement. Mais bon. Plus des petits vaisseaux de plastique. Mais bon. Ça, on a juste à sortir des vaisseaux de Attack Wing. Tu savais que dans Star Trek Picard, non, tu te souviens, ouais, tu as donné, il pitch un USS Enterprise dans... Ouais. Dans C'est un Enterprise ouais, Attack Wing. Oui, je sais. Je sais, je l'ai reconnu tout de suite. C'est exactement la même peinture. La peinture cheap. La peinture cheap de Wizard. Mais, c'est pas ça à Wizard of the... Non, c'est... Non, c'est WizKids. Voyons, WizKids. Ben, tu sais, c'est toi qui disais dans une zone du dimanche que ouais, t'avais quand même aimé ça. Ben, aimé ça. Dans Attack le sens Wing, que ouais, c'était le système de X-Wing... Moi, personnellement, je trouve que ça colle plus ou moins bien au thème, mais bon. Ça aurait dû plus être genre comme dans ton autre jeu, là, Armada. Ouais. Armada, là, avec des plus gros vaisseaux, ça. Fait que, WizKids, on attend ça. Ça me surprend. Fait que là, c'est à toi, on est déjà rendu là. Ouais. Là, je suis où, là? OK. T'es dans ta tête. Hey, je pourrais faire ça. C'est la moitié de la partie. Tu t'en vas là, c'est tout? Oui. Moi, je vais prendre mes 3 médailles et je vais faire mon premier upgrade. Alors, je vais upgrader ici. J'ai mon premier commandant dans le vaisseau du USS Enterprise. Et je vais d'ailleurs l'utiliser pour faire ça une fois et ça deux fois. Donc, je vais aller me chercher 2 techs. Et... Le premier tech que je vais aller me chercher, je pense, c'est... Je sais pas. ignore your first damage on each mission. Ignore when you move. Ah, ben tiens, je pense que je vais prendre... Est-ce que c'est quelque chose qui va me donner quelque chose? Non. Je sais pas, man. Qu'est-ce que je fais? Lequel que je prends? Je vais aller chercher... Sick. Je vais aller chercher le Turbo Laser que je vais placer ici. Et je pense que c'est seulement à la fin de mon tour que je peux changer. C'est seulement à la fin de mon tour. C'est important, là. C'est important, là. C'est très important, Stéphane. Parce que, tu sais...
Je dois choisir, là. Going places damage. Je comprends rien de qu'est-ce que tu dis. Destination. Taking damage. J'essaie de faire la fameuse action des techs. Bon, voilà. Ok, c'est que... take care from the central. You may take me there. At the end of the turn, deal new cards. C'est seulement à la fin du tour. Ok. Fait que je peux pas faire un refresh. Mais je vais prendre celle-là. Attends. Donc, vois-tu, là, j'ai réuni ces deux-là ensemble. Donc, ça te donne une médaille. Ça me donne une médaille. Donc, j'ai réussi à me faire un petit combo de médailles. Okay. Et là, once per turn, je peux bouger d'un de plus. Voilà, c'était mon action. D'accord. Je l'aime beaucoup, cette action-là. Je vais faire un promote. Oh, je vais améliorer. Je vais... Donc, on va passer ça ici. Je vais bouger. Ah non, je bouge pas pendant tout. Je fais une mission. Oh, tu fais une mission. C'est pas bon signe, ça. Donc, ça, ça et ça. Donc, on s'entend, je les ai toutes. Tu les as toutes. Donc, je me répare deux fois. Tu te répares deux fois. T'as-tu fait une promotion, toi? Oui. OK. Je me fais un artefact. En passant, tu peux aussi changer un de tes autres couleurs en une autre couleur avec ta promotion. Je sais. Tu sais. Puis ensuite, c'est un homme exceptionnel. Un par Android, donc j'augmente juste de un finalement. Puis ça, ils font. Puis ton Android, il s'en va. Il s'en va où? Il part. Ah oui? C'est un one-time use. Il a fait sa job. C'est donc bien con. Ben oui, c'est pour ça qu'il est comme une forme spéciale. Bon, lui, il s'en va là. Là, j'ai fait le 1. Attends, là, faut remplir. Donc, ça ouais. Ici. Et là, quand que le 1 arrive, c'est là qu'on a une multiplication. Voici ce qui se passe exactement à ce moment-là. C'est un Pirate Uprising. Donc, place un Pirate Token Skull Side Up on each of the numbered triangle tiles. Donc, toutes les... Tu mets side up. Donc, il faut que tu mettes one part token. OK, skull side up, c'est ça. Exact. Sur toutes les triangles with a number. Non, il y en a une autre ici. Là, il va y avoir une prolifération de pirates. C'est ça que ça veut dire. Tes amis sur toutes. OK. Ouais, celle-là, j'en mets pas. At each of those planets, reveal the pirates. If there are no pirates on the matching group, move the pirate there. Fait que, comme par exemple ici, lui, on voit qu'il est comme rouge ou rose. Alors, il va aller s'installer sur le rose qui est là. Lui, ici, il est jaune. Alors, il y a déjà quelqu'un sur le jaune, donc lui, il apparaît pas. OK. Ensuite, ici, vert. Il va se placer là. As-tu un nom? Non. En haut, ici, tu n'en as pas mis, je pense. Ben oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas de numéro dessus. Ben oui, c'est un 1. Ben oui, mais il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas de numéro dessus? Non. Mais non, regarde. OK, ben pas de numéro, c'est bon. Puis once, là, après ça, on remet toutes les tuiles. On remet les tuiles du côté orange. Puis on va recommencer encore à du plus grand, plus petit. Quand même bien, ça fait en sorte que ça prolifère. Mm-hmm. Donc là, moi, je suis là. Fac, je vais utiliser... Mon bonhomme jaune. Non, en fait, je vais utiliser mon bonhomme jaune pour aller dans mon Turbo Laser qui va faire une attaque, mais j'ignore le dégât. Donc, je fais pas de dégâts. Je ramasse ça. Et je vais aller me chercher mon Android. OK. Ah, ouais, ça. Ouais. Je te rappelle que les androïdes, c'est n'importe quelle couleur aussi. Oui, oui, ça, j'avais compris. Mais je te le rappelle en cas que tu me dises. Tétonique! Tiens, des fois, ça peut t'arriver. Je fais jamais ça. De quoi tu parles? Tu me l'as jamais dit. De quoi tu parles? Je vais bouger. Un, deux, ici. Donc, ça, je le fais. Tu bouges dans un sur chacune. Donc. Tu te fais une médaille ici. Merci. OK. Tu bouges aussi. Ouais, c'est fait. Non, celui-là, t'es, pourquoi t'es encore à zéro? Ben non, c'est toi, c'est bleu. Je suis pas habitué d'être ces couleurs-là, tu comprends?
Ouais. Et toi? Comment ça qu'il t'en reste autant comparé à moi? Ben parce que toi, t'as fait une mission. Tu t'en as enlevé plein. Moi, j'ai pas fait de mission. Tu comprends? C'est ridicule. Ça, c'est quoi, ça? Ah oui, c'est, tu prends... Tu peux prendre n'importe quel des... tu peux prendre n'importe quel des techs qui sont là, puis tu peux défausser une de tes techs, si tu veux. Tu comprends? Sauf que c'est peut-être pas ça que je veux faire. J'aimerais ça avoir un impact, tu comprends? J'aimerais ça faire quelque chose de grand. Avoir un impact? Non, c'est au moins été drôle. Je vais, je vais commencer par prendre ça, puis transformer lui en jaune. Ouais, je vais prendre un jaune. Puis je vais bouger. Ouais, je le fais. Je vais bouger deux. Puis je vais faire un. Puis deux. Je vais aller essayer d'infiltrer la base des pirates. To you. Je vais me prendre une technologie. Non. Ouais. Il est à temps. Elle mange de la crotte. Ok. Je vais prendre de le Universal Translator. Donc je me répare. Et on met un autre jeton ici. Ça s'appelle une carte, mais c'est correct. Tu veux pas me reprendre, mais tu me reprends pareil. Alors, je vais prendre mon Android et le jaune. Donc, je vais faire les deux, ce qui fait en sorte que j'avance de 3 ici. 1, 2, 3. Oups. Allez là. Il faudrait que j'aille tout loin. Je me fais une médaille. Et on fait ça ici. Alors, everyone was the least point de dégâts. Gagne une médaille. Everyone else, dommage, un cargo slot. Donc, je peux me réparer un cargo slot. Et ça, on l'enlève de la partie. Et on peut seulement faire deux. Donc, c'est de la troisième, on l'enlève simplement. Fait que, c'est un aspect intéressant. Ben, attends, j'ai pas fini. Là, je sais, mais là, je me gagne une médaille. Et après ça, il faut que je dévoile 3. Si j'ai bien compris là, ce qui est écrit là-dessus, si vous regardez ici. Il faut que je dévoile « Draw a pirate and place it on the matching route at your location. » C'est not optional. Fait que là, donne-moi 3 pirates, puis il faut les mettre sur des routes autour de... Parce que j'ai quand même infiltré la base des pirates. Donc, le premier, quelle couleur? Jaune, donc ça va aller là. Le deuxième, il va aller là. Et le troisième est rouge. Tu m'as entouré de pirates. Sec de maudit. J'aurais pas dû. T'avais juste à pas les faire suer. Donc ça s'en va là. Et on a le duel. Oh, ça fonctionne avec les pirates. The duel. Fait que, mais c'est quoi exactement? Moi, je pense pas. Je vais utiliser mes deux artefacts pour faire un rouge. Oh, que c'est beau. Puis, je vais faire 1, 2, je m'en vais réserver ces sites. Oh, en passant, lui, il s'en va. Lui, il s'en va là. Je passe. Ben, maintenant, je passe. OK, donc en passant, on fait zoop. Zoop. C'est quand même cool comme petit concept. Alors, on ramasse chacun un autre personnage. Ces deux-là. Lui, il va parce qu'il n'y a personne. Puis lui, il va dessus aussi. Parce qu'il n'y a personne sur la station. Et on passe le... Non, c'est à moi. Non, moi, c'est aussi. Hey, langage sur la chaîne. J'ai pas dit ça. Seigneur. Et là là. Et là là. Ça
Ça se peut-tu dire des choses de même? Je pense que je vais commencer par tirer un méchant. Mais je vais utiliser mon turbo laser encore qui permet d'ignorer les dégâts. Et je pense que je vais en profiter pour... je vais éliminer celui-là. Ce qui me donne... Je vais choisir... Ça serait bien que j'en aie un que je puisse utiliser. Excellent. Donc je vais pouvoir l'utiliser pour un jaune ou un rouge. Et je gagne aussi une médaille. Pas une troisième médaille, toi? C'est-tu pas le fun, ça? Je trouve que t'exagères. Je trouve que ça va bien, moi. Non, t'exagères. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Donc là, il faut juste que... Je t'appelais pour te dire. Je vais faire... Ouais, je vais faire ça. C'est raté, le lancer. Donc, tu as entraîné. Je vais faire la mission. Un jaune, un bleu là, un rouge là. Fait que je me fais un androïde. Dans l'ordre de haut en bas, faut que tu fasses. Hein? Okay. Oui, un androïde. Ensuite, j'augmente celle-là, mais vu que j'ai un Universal Translator, je peux augmenter n'importe lequel. Mais ça donne que c'est justement celle-là que je voulais augmenter. Donc, je me fais une médaille. T'es sûr que t'as pas monté de mi? Oui. Puis, je me fais une autre médaille. Excusez. OK. Alors, ça, c'est fait. C'était beau? T'es-tu fier de ton coup? Pas en tout. Donc là, c'est à moi. Là, c'est le 4. Ah oui, OK. Voilà. Puis on... Mission, c'est Shipwreck Salvage. OK. Moi, je vais utiliser mes 3 médailles pour me faire un autre Commander. Et je pense que mon prochain Commander va être... va être le rouge ici. Non. Mon prochain commander va être bleu. Voilà. T'as compris? J'espère. Alors, ce que je vais faire, c'est que... ça c'est quoi ce symbole-là? Mission with at least one line of the depicted. Ça, c'est... Tu te fais un point par symbole rouge que tu as sur tes missions. Donc, ce que je vais faire, regarde bien. Je vais utiliser mon bleu. Je vais utiliser mon bleu. Quel symbole rouge? Ça ici, ça c'est rouge. Ah, oh, Seigneur! Okay. Donc, je vais commencer par à faire un... une réparation. Et je vais réparer... Je vais réparer celle-là ici, je pense. Ça, je vais faire. Ouais, je vais réparer celle-là. Je vais te donner ça. Puis, pour ma deuxième action, parce que c'est un commandant, je vais aller me chercher une tech. Et la tech que je vais aller chercher, c'est le Crash Report, qui me donne un point par dommage. Et là, je vais aller le placer ici, qui me permet donc de me faire un mouvement en plus. C'est-tu pas extraordinaire? Et c'est avec mon mouvement, je m'en vais là. Et en allant là, je me fais un androïde. Vivement les combos. Vivement les combos. J'aime ça. Faut pas tu... Ah non, t'es remplacé. Oui, oui, on les remplace pareil. C'est juste qu'on on les remplace par du normal. Pas, OK. Est-ce que je checkais, moi? Là? Je fais de la paralysie d'analyse. Là. De la paralysie d'analyse à ce jeu-là? Et... Oh, là, ça va pas bien, là, Stéphane. Là. OK. Là, je pense que là, il est temps. Oh, intéressant, ça, bien, non? OK. Je vais... je vais... Tu vas faire quoi?
Je vais. Si tu mettons qu'il est commandant, s'il est utilisé pour une mission, il peut-tu faire d'autres choses aussi? Ou il compte-tu pour deux membres de mission? Ou... Non, non, ce que tu peux faire, tu as deux affaires que tu peux faire avec. Okay? C'est écrit dessus. Tu peux. Commander. Same as command do subordinate. Extra work or command a subordinate. C'est que tu peux dire à un autre de faire quelque chose. Instead of doing extra work, your commander can command a subordinate to report to the reading room. Ah, tu peux prendre un autre de tes bonhommes puis de l'amener, si tu veux, avec ton commander. Ah, ok. Puis, a commander who has resolved a line of mission can then resolve the same line again. Tu peux faire. Dans une mission, c'est qu'il résout la ligne deux fois. Fait qu'il te donne le bonus deux fois. Sur ta mission. Oh shit. Je vais me faire un commandant. Tu te fais un commander avec trois médailles. Et qu'est-ce que tu fais ensuite? Est-ce que tout le monde se pose comme question présentement? Qu'est-ce que tu vas faire? Les gens sont vraiment... Où j'ai mis ma petite feuille? Stéphane, où j'ai mis ma petite feuille? C'est bon, j'ai trouvé. C'est beau, ce Stéphane. Oh, ça, c'est très... Celui-là, c'est des techs qu'on peut aller chercher aussi? Oui. OK. Ah oui. Celle-là donne deux points. Celle-là, c'est un point par mission avec du rouge que tu as. Je vais aller me chercher celle-là. La diplomatie. Puis là, je la place dans un endroit. Faut-tu que ça soit collé, nécessairement? Ou... Tu peux la placer où tu veux. C'est juste que. OK. C'est quand tu as des. Puis sa deuxième action à machin et truc va être. Être de faire la même affaire, aller chercher le cookbook. Et je me répare de 1. Oui. On a un RAM drive. Take damage or discard this too. OK. Prends un dommage où on peut attaquer et bouger. C'est drôle. Puis jump drive. Le jump drive, ça, ce petit symbole-là, c'est qu'on peut aller n'importe où sur le plateau. C'est comme un. Ah, comme dans. Celle-là, là. Ouais. La télésérie de. J'aurais bien aimé. Discovery? Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai bien aimé. Je vais utiliser mes deux crates ici pour prendre un rouge. Tiens, je te donne. Tu peux-tu les placer? Et avec ça, je vais bouger de 1. Je vais aller là et je vais aller réserver ça. Ici. Moi, je vais bouger. Je vais aller là. Moi, je vais accomplir la mission qui est juste là. Alors, en prenant la mission, je vais prendre mon androïde pour le jaune. Je vais prendre le rouge. Donc, ça te fait un dégât. Mais tu augmentes de 2 sur une piste. Ça me fait un dégât. Tu peux-tu me donner un dégât, s'il te plaît? Moi, les dégâts, c'est des points. Fait que ça me dérange pas. Moi, ça, c'est des points. J'ai un point par dégât. Ah. Ici. Et oui, j'avance de 2 sur une piste. Je pense que je vais avancer ici de 2. Ça va me donner une autre médaille. Et l'autre, je peux apparaître n'importe où. Faut que je regarde avec ce qui reste. Hein. Ouais, je pense que le plus avantageux pour moi le plus avantageux pour moi serait je te dirais de t'en aller dans les cieux. Je
pense que je vais aller là. Ok, là, la... c'est 3. Le 3, donc on a une nouvelle mission qui apparaît ici. Oh, une 6 points. First contact. Contact. Ouais, je sais pas, moi, faire un premier contact avec cette affaire-là. Je n'irai pas nécessairement. C'est à moi? Ben non, je pense que c'est à Roger. Ok. Donc, je vais faire ma mission. C'est à Roger? C'est pas ça? Non, c'est le USS Titus du capitaine... Mais là, qu'est-ce que tu fais? Là? Tu peux pas... qu'est-ce que tu fais là? Ben oui. Oui, je peux le faire. C'est quoi le problème? J'ai juste à faire ça puis ça. C'est juste que j'ai pas le bonus. Non, tu te fais un dégât. Je me fais un dégât. Et t'avances de 4 sur la piste jaune. Ouais, ou n'importe quelle piste. Ou n'importe quelle, ouais. 1, 2, 3, 4, là. 1, 2, 3, 4, là. 1, 2, 3, 4, là. Oh! J'ai oublié le Turbo Laser tantôt. On va avancer ici. 1, 2, 3, 4. Je me fais un médaille. Un médaille? Bien sûr. L'Android pogne le bord. Ben, je suis hot. Ça, il s'en va là. Je pogne la mission, puis je le mets ici. Puis ensuite, je prends le numéro 2. On remplace pour qu'est-ce que ça donne. Underwater Ruin. Ben moi, j'ai loin d'avoir fini. Moi, je vais commencer par upgrader lui en jaune. Ce qui va me permettre donc d'accomplir ma mission, qui est juste là. Alors, je vais aller faire ça, ce qui me donne un dégât. Ça va me prendre un dégât, s'il te plaît. Ça me donne un point, mais ça enlève un point. Fait que dans le fond, mes dégâts ne me feront pas perdre de points. Ouais, c'est ça. Dire. Et j'avance de 3 sur une piste. Je vais faire 1, 2, 3. Alors, je me fais 3 médailles. C'est n'importe quoi. 3 médailles. Et... Non, pas encore. Si j'arrive là, là, je retournerai de bord et je me ferais 5 points. Oh, oui, je sais. En plus, mais ça serait plus 5 points, mais... OK. Puis ça s'en va là. Puis là, ben, tu sais ce qui va arriver, là, malheureusement. Si on joue selon les règles, on a... On est obligé de le faire. On est obligé de le faire. On est dans une session de jeu. OK. Fait que là, c'est... combien déjà? 3. C'est 3 qu'il faut faire? Ben oui, tu m'as dit 3 tantôt. Tantôt, je t'ai dit 3? Oui. Ou faut tout? Non, 3, je pensais ça. Ouais, ouais, 3. C'est ça? Ça doit. Attends un peu, là. Mais c'est pas écrit. Draw a pirate and place it on the matching loop. Non. Là, tu regardes pas à bonne place. Faut que tu regardes dans... Place one pirate token for on each of the number triangle. C'est faut placer. Ah oui, c'est ça. Faut les placer sur les number triangle. Puis après ça, ben, on les retourne. Puis, Il y en a-tu un que j'ai pas fait? Ok, là, je vais tourner lui. Fait que là, c'est vert. Lui. Lui, c'est vert. Lui, c'est... Jaune. Puis c'est tout. On les retourne. On les retourne d'abord. Puis c'est à toi. Hein? J'avoue que juste 4 tours, c'est pas assez. Ben, écoute... Je dois avouer quand même que c'est un peu plus long vers les deux derniers tours. Bon, c'est... moi, je passe, puis je n'ai plus rien à faire. Toi, tu passes. Puis je vais perdre. Non, je pense pas, moi. Moi, je vais faire ça ici. Je vais aller... ouais. Je vais me faire un autre commander. Donc, mon commander va réparer un. Puis après ça, je vais aller chercher. Oups, ça, lui, il s'en allait là. Puis je vais aller chercher une. Sauf qu'il donne pas de points, tu sais, c'est comme. C'est, je sais pas c'est quoi. Discard. This two. C'est quoi ça? C'est quoi ce symbole-là? C'est move the first figure in your queue into your ready room. OK. Merci. Je vais faire ça. Je vais mettre ça là. Puis je vais. Ben là, ton jaune descend.
De quoi mon jaune descend? Ah, OK, t'as 10 cartes pas. T'as défausse pas, excuse. Si t'as défausse, là, lui, oui, là, oui, il s'en va sais, là, mais... là. Non, mais il faut que j'aille dessus pour pouvoir la défausser, tu comprends? Il faut que j'active la pièce. Ah, ça, c'est sûr. C'est ça, mais j'ai pas activé la pièce. Là, il faut que je décide que ce que je fais. Tu comprends? Mais oui, je vais le faire. Je vais... ça me donne pas de points. Il n'y a rien qui me donne des points là-dessus. C'est de la merde. C'est ridicule. C'est ridicule. Mais je vais enlever un dommage. Puis je vais faire ça ici. Je vais la défausser pour pouvoir ramener ça ici. Fait que là, je la défausse. En passant, j'ai oublié de faire ça ici. Et avec mon jaune mm-hmm. qui est là, je vais aller là, puis je vais attaquer. Puis moi, je vais utiliser... En fait, c'est pas vrai, je vais aller ici. Puis je vais détruire... lui. Puis lui va me donner une médaille. Puis il va me donner un crate. Puis je passe. Ben moi aussi je passe. Alors c'est rendu la fin de la partie, mesdames et messieurs. Je sors le pad, puis je vous reviens. Bon, alors on commence avec l'émission. Donc je vais y aller moi. Alors, on voit que ma mission ici, j'ai 6, 7, 8, 9, j'ai 13, j'ai 17, j'ai 20 points. Donc, j'ai 20 points avec mes missions. Ensuite, toi? Ben là, veux-tu les faire? Ah, je peux bien les faire. Oui, monte-les. Alors, t'as 1 point. Non. 2 points. 4, 8, 15, 22. 26 points. On a 26 points. Je rappelle que Stéphane a dit « Je répète! » OK, je répète. Alors maintenant, c'est les points en fonction des de où on est dans les dans chacun des stations. Donc là, ici, moi, j'ai 4. Là, j'ai 5. Puis là, t'as 0. Donc, ça me fait 5 points. Toi, ici, t'as 2. T'as 3. 3, 4. 4 points. OK, ensuite, c'est les points de fin de partie entre parenthèses. Ouais, c'est ceux-là. Ouais, mais je sais pas c'est quoi, pourquoi ils mettent un genre de parenthèse. Je sais pas ce que ça veut dire, ça. Parenthèse. Alors, c'est peut-être, y a peut-être des missions que c'est des fins de partie, c'est peut-être ça. Donc, bon, c'est des solo rules. Ils peuvent jouer en solo. From point from Omega Tech and from your passenger in a solo. OK, in a solo, okay. Donc, fait que moi, bon ben vas-y. Moi, je fais 1, 2, 3, 4, 5 points. OK. Moi, je fais, pour celle-là, la diplomatie, là, j'ai, oups, j'en ai 1, 2, 3 missions en rouge, donc je me fais 3 plus 2. Ça fait 5. 5 points aussi. Ensuite, c'est 1 point pour chaque androïde, commandant et pirate. Bon, moi, je me fais 2 points. Donc, 2 points pour toi. Moi, je me fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Oh, 6 points, là. Ça va être... Ensuite, c'est 1 demi-point par cargo et médaille. Donc, moi, je me fais 1 point. Je me fais 1 demi-point. Donc, 1 demi-point. Et moins 1 point pour chaque... Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je perds 5 points. Moi, j'en perds 2. Moins 2. Alors, calcule ça officiellement en dessous de la caméra. Le pointage final, ça fait 30, 36, 37, 32 points. 30, 35, 37. 37 et demi, 35 et demi. 35 30, 35, 37 7. Et demi, 35 et demi. 35 et demi à 32. Et voilà. Ça marche pas, là. Ça marche pas, là. 25, 31, 30. Ben oui, ça marche. Alors, c'est une victoire de Stéphane. 35 et demi à 32 points. 35 et demi à 32 points. Bravo. Ben, comment ça, il ne me met pas comme si j'avais gagné. 35 et demi à... Ben, faut que tu fasses enregistrer. Ça va aller mieux. Ah! Mais oui, c'est ça. Voilà. Alors, trouvez-vous, Stéphane, il n'est pas là. Il est en train de mettre ses statistiques. Alors, on va vous vous revenir avec une première impression? Oui! Alors, on va arrêter l'épisode-là, puis Stéphane et moi, on va
nous faire une impression conjointe du jeu. Alors, merci beaucoup, Stéphane. Je te félicite pour cette victoire. Merci. Et je dois encore dire que tu as fait une Hélène de toi. Ben oui. Alors, c'est... C'est mon plaisir. C'est ton plaisir de toujours dire, je vais perdre, et finalement, je gagne, et ensuite de ça, c'est moi qui sens un trou de cul. Alors, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez sur notre Facebook, notre Instagram pour vous tenir au courant des dernières nouvelles, mais ainsi sur notre Discord pour bavarder avec notre communauté. Allez faire également un petit tour chez notre commanditaire Boutique de jeux La Pioche au www.boutiquelapioche.com ou au 106 boulevard René Lévesque Ouest à Québec. Et allez sur notre Patreon si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, bien sûr. Alors au www.patreon.com/zonejeuxdesociétés. Et d'ici la prochaine fois, bien amusez-vous avec vos jeux de société et nous on va se revoir très bientôt. Bye bye tout le monde.